Un outil encore plus puissant que ChatGPT. C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, donc c'est dû à certaines choses, donc à certains tracas, à certains soucis. Mais je suis de retour et il y aura beaucoup plus de vidéos maintenant, quotidiennement. Vous savez, ChatGPT, dès sa sortie, a vraiment révolutionné même les infos. Tous les youtubeurs en parlent. Beaucoup de gens se sont précipités sur cette technologie-là qui va révolutionner le monde. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens l'utilisent et la plupart des fois maintenant, c'est en down, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas. Donc, il y a des moments où il y a tellement de requêtes qui sont envoyées par des utilisateurs, ce qui fait que les serveurs qui sont réservés pour recevoir ces requêtes-là n'arrivent pas à fonctionner, à arrêter toutes ces requêtes-là. Donc, ce qui fait qu'ils sont obligés de mettre ça en down à certaines heures. Donc, c'est pourquoi je vais vous montrer une alternative qui va vous permettre d'utiliser quand même toutes les ressources et toute la technologie de ChatGPT, même si le ChatGPT n'est pas fonctionnel. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir cet outil-là. Si vous êtes ici pour la première fois, ici c'est Business. Ici, on parle business en ligne, tout ce qui va vous amener à créer un business, à développer un business basé sur la technologie et la puissance du digital. Donc, si vous êtes intéressé par le digital, si vous êtes intéressé par le business en ligne, je vous invite tout de suite à vous abonner et à activer surtout la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se voit tout de suite sur mon ordinateur. Ok, j'espère bien que vous savez comment aller sur ChatGPT. C'est très simple, vous vous connectez, vous allez sur le site de OpenAI, vous vous connectez et vous connectez et puis vous atterrissez sur cette page-là. Ouais, donc je vais rafraîchir la page parce qu'il est encore en down. Vous voyez que déjà, vous avez un message qui vous dit qu'ils ont, beaucoup de demandes actuellement. Donc je vais traduire, vous allez voir, dit nous connaissons une demande exceptionnellement élevée. Veuillez patienter parce que nous travaillons donc à la mise à l'échelle de nos systèmes. Ouais, donc ce qui fait qu'il y a énormément de demandes actuellement. Donc ce qui fait que quand vous tapez les requêtes, c'est très long. Donc on va dire rédige-moi. Travaillez le temps d'attente. Ouais, le temps d'attente. Donc ouais, c'est lent parce qu'il y a beaucoup de monde actuellement. Ouais, donc c'est très lent. Ouais. Ouais, comment c'est bon? Il était une fois un chat nommé Marie. Va beaucoup vous aider quand il y a beaucoup de demandes sur ChatGPT. Donc, je vais essayer de vous montrer votre alternative dont je parlais. Après ChatGPT, donc comme je l'ai dit, donc ChatGPT et puis Playground. Donc, vous ajoutez Playground. Donc, vous tapez ChatGPT Playground. Donc, c'est ça. ChatGPT Playground, c'est très important. Et vous prenez le premier lien. Donc, vous cliquez sur le premier lien. Et vous allez atterrir sur une page. Donc, vous voyez, vous allez atterrir sur cette page-là. Et comme je vous l'ai dit, cette page est la même chose, bon, presque. Donc, cet outil fonctionne de la même manière que ChatGPT, mais c'est encore plus puissant. Donc il y a d'autres réglages que vous pouvez faire donc sur ce outil. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc c'est comme ChatGPT, donc vous tapez votre requête. Donc par exemple, moi j'aimerais qu'il nous raconte une petite histoire. Donc je vais vous dire raconte histoire. Et ce qui est important, c'est que regardez bien. Donc regardez bien la vitesse à laquelle il va nous rédiger cette histoire-là. Et vous allez voir qu'il y a une réelle différence. Parce que ici, il y a plus de puissance, il y a plus de réactivité. Donc de cet outil par rapport à ChatGPT. Parce que actuellement, comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens utilisent ChatGPT. Depuis que ChatGPT est passé à la télé, donc beaucoup de gens l'utilisent. Ce qui fait que le temps d'attente pour recevoir les réponses devient long. Ouais, donc ce qui fait que ChatGPT devient très lent. Mais avec cette alternative, vous pouvez également bénéficier de toutes les fonctionnalités de ChatGPT et aller encore plus rapidement. Donc on va cliquer sur soumettre.
wait, test. Ok, donc il a commencé. Vous voyez comment c'est rapide, vous voyez la vitesse. Donc il était une fois un garçon qui, je pense, excusez-moi, donc il était une fois un garçon. Donc voyez, donc il a terminé. Maintenant ici, ce qui est très bien, c'est que vous pouvez régler le nombre de caractères, donc vous pouvez régler le nombre de caractères. Donc vous voyez que c'est sur 256 et ça s'est arrêté. Donc si je règle maintenant, je lui dis par exemple, tu peux aller jusqu'à 2000 mots. Là, si je fais soumettre, vous voyez qu'il va continuer à rédiger. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc c'est encore plus puissant que ChatGPT, comme je le disais. Donc si vous allez sur ChatGPT et puis c'est bloqué, c'est une alternative que je vous propose, que vous pouvez utiliser. Donc comme vous pouvez bien le remarquer, cette alternative est plus meilleure que ChatGPT. Donc je vous conseille, une fois que vous remarquez que ChatGPT est en down, c'est-à-dire ne fonctionne pas ou bien est très lent, pour utiliser cette alternative là. Ok, donc j'aimerais vraiment, si vous avez aimé la vidéo et likez la vidéo, surtout abonnez-vous parce que je vais produire une série de vidéos sur les intelligences artificielles. Donc, comment vous pouvez utiliser les intelligences artificielles pour créer un business aujourd'hui? Comment vous pouvez vous servir de la puissance de l'intelligence artificielle pour développer votre business? Donc, pour ne pas rater tous ces contenus-là, pleins de valeur, je vous invite à vous abonner et à activer sur la notification. On se voit dans une nouvelle vidéo. Bye bye.